Départ validé pour cette quatrième épreuve, le prix Paléo avec des pouliches âgées de 4 ans sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti avec le numéro 6, Ferrari Jess, qui a pris dessus de la direction des opérations avec Fiesta Turgo, le numéro 2 qui vient se placer maintenant en tête. Ensuite, nous avons Fosmi du Vivier, le numéro 3 qui est en troisième position, devant Fantastic Chalry, le numéro 5 qui vient ensuite en quatrième position, devant également Fleur de Février avec Folie de Boer, le numéro 9 qui vient ensuite à l'extérieur, alors qu'on rentre dans les rangs en ce qui concerne le numéro 3, les concurrentes qui vont se diriger à présent vers la ligne opposée avec un peloton mené par Fiesta Turgo qui apporte le numéro 9, le numéro 2, devant également le numéro 6 Ferrari Jess qui vient ensuite et qui est en deuxième position côté corne. Un peu plus loin, nous avons Fleur de Février, le numéro 4, alors que le numéro 3 vient d'être disqualifié. Le numéro 3 est disqualifié. Concurrentes qui sont donc dans la ligne opposée, peloton mené toujours par Fiesta Turgo qui porte le numéro 2, devant le 6 Ferrari Jess qui vient ensuite en deuxième position. Ces deux concurrentes sont détachées du numéro 4 Fleur de Février qui vient ensuite en troisième position, également détachée du numéro 5 Fantastic Chalry avec Folie de Boer, le numéro 9 qui vient ensuite en cinquième position à l'extérieur devant Foggia, le numéro 8 qui est côté corde. Et un peu plus loin, nous avons Fiesta Malouin, le numéro 7 avec Fée des Bordes, l'as qui est côté corde. Les concurrentes qui sont à présent dans le tournant, toujours Fiesta Turgo le numéro 2 qui contrôle les opérations devant le 6 Ferrari Jess qui vient ensuite en deuxième position. Le 4 Fleur de Février est en troisième position. Un peu plus loin, nous avons Fantastic Chalry qui vient ensuite et qui est côté corde avec Folie de Boer, le numéro 9 qui est à l'extérieur et vient se placer maintenant en quatrième position. Un peu plus loin, nous avons Foggia, le numéro 8. On vient de boucler le tour. On passe à nouveau devant les tribunes. Fiesta Turgo, le numéro 2 qui contrôle toujours le peloton devant Ferrari Jess, le numéro 6 qui vient ensuite en deuxième position. Fleur de Février, le 4 est en troisième position devant Folie de Boer, le numéro 9 qui est en quatrième position pour entamer le tournant. Foggia, le numéro 8, venant ensuite le long de la corde. Ensuite, nous avons Fiesta Malouin avec Fée des Bordes Las, alors que le numéro 5 vient d'être disqualifié. Le 5 est disqualifié. Concurrentes qui sont donc dans le tournant après les tribunes. On va se diriger à nouveau vers les lignes opposées avec Fiesta Turgo, le 2 qui est toujours en tête devant le numéro 6 Ferrari Jess qui vient ensuite en deuxième position. Le 4 Fleur de Février est en troisième position et commence à attaquer à l'extérieur. Ensuite, nous avons Folie de Boer, le numéro 9 qui est situé plutôt côté corde en compagnie de Fiesta Malouin, le numéro 7 qui s'est rapproché à l'extérieur. Et ensuite, nous avons Foggia, le numéro 8. On est maintenant mis à ligne opposée. Fiesta Turgo, le numéro 2 qui conserve son avance sur Fleur de Février, le numéro 4 qui vient ensuite en deuxième position, suivi par Fiesta Malouin, le numéro 7 qui poursuit son effort tout à l'extérieur. Ensuite, nous avons le numéro 8 Foggia avec Ferona Dufel qui est tout à l'extérieur et qui s'est rapproché, se plaçant maintenant en cinquième position. Nous avons également Fée Verte, le numéro 11, qui s'est rapproché pour entamer à présent le tournant. Les concurrentes qui sont donc dans le tournant, Fiesta Turgo, le numéro 2, qui est côté corde, avec à l'extérieur le 7 Fiesta Malouin, qui est venu pratiquement se placer à ses côtés. Ensuite, nous retrouvons Fleur de Février, le numéro 4, qui est en troisième position et qui est côté corde pour sortir à présent du tournant. On vient de sortir du tournant. Il reste maintenant un peu plus de 150 mètres à parcourir avec Fiesta Turgo qui est côté corde, avec le 7 Fiesta Malouin, avec tout à l'extérieur le numéro 8 Foggia qui a fini fort. Ensuite, nous avons le 4 Fleur de Février, moins de 50 mètres, avec le 2 Fiesta Turgo attaqué à l'extérieur par le 8 Foggia. Ce sera serré entre ces deux concurrentes et le 7 Fiesta Malouin terminera troisième.